Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Vendredi aujourd'hui. Donc, il y en a qui célèbrent beaucoup le vendredi. Il y en a qui célèbrent parce que c'est vendredi et pour eux, c'est la dernière journée de la semaine de travail. Et il y en a d'autres qui, à l'inverse, sont pas assez joyeux pour célébrer parce qu'ils adorent ce qu'ils font. Donc, ceux qui adorent ce qu'ils font, ils célèbrent pas les vendredis. Puis même des fois qu'ils continuent un peu le samedi parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Mais il y en a d'autres qui ont un travail. Hein? C'est ça, un travail. Ils ont un travail. Puis justement, ils célèbrent le vendredi. Donc, bonjour, bonjour Mélanie. Bonjour les gens qui se rajoutent. Oui, célèbre, hein? Vendredi, on célèbre. Aujourd'hui, deux petits sujets en même temps. Je vais vous donner un petit. J'ai donné un beau. C'est personnel. J'ai donné un beau petit coaching aujourd'hui sous forme de Zoom avec une petite équipe comme ça, un peu à l'étranger. Puis je vais vous donner les grandes lignes d'une certaine façon. Ça me fait plaisir de vous partager les grandes lignes. Bonsoir de Belgique. Il est tard en Belgique. Quand je vais tenir mon 15 minutes, puis je vais prendre mon thème de la journée, mais avant, c'est juste pour vous partager un petit peu. Donc, je devais faire court, faire vite, faire concis. Et les gens qui me connaissent le savent, c'est un défi souvent pour moi de faire ça concis. Et je crois bien avoir réussi parce que plus on simplifie des fois, plus c'est efficace. Alors, je devais y aller seulement avec 3 points. 3 points, un genre de coaching pour avancer en affaires sur 3 points. Puis souvent, de la façon que je fonctionne dans mes formations, des trucs comme ça, c'est que j'y vais beaucoup par de l'interrogation et j'y vais beaucoup par certaines questions. Et souvent, j'ai souvent dit et encore aujourd'hui que un bon coaching, souvent, c'est de poser les bonnes questions dans le bon ordre. OK? Puis c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire, c'est pas nécessairement de donner des solutions, donner des moyens, donner des pistes, poser des questions, parce que la réponse, elle est déjà en chacun de nous et elle est différente. Donc, donner des réponses, c'est pas tout le temps ce qu'il y a de mieux. Hein? Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Il y en a qui veulent la réponse toute crue, puis elle marche pas. Des fois, bien souvent, la réponse de l'un, elle fonctionne pas pour l'autre. Alors, j'allais comme 3 points, vraiment comme ça. Vous pouvez prendre des notes, là. OK, j'étire un petit peu. Vous pouvez prendre des petites notes en passant. Vous allez voir, je vais revenir 2 fois. Un, deux, trois, 3 points. Seulement sur 3 points. OK, pas trois comme ça. Comme ça. 3 points. Seulement sur 3 points. Le premier, il faut être décidé. OK, et ça, je le sais. Tant que tu n'es pas décidé dans la vie, tant que tu souhaites, que tu désires, que tu veux, ce n'est pas assez pour enclencher un processus. Ce n'est pas assez pour s'enclencher, ce n'est pas assez pour s'engager. Mais la personne, à partir du moment où elle le mentionne, là, je suis décidé, c'est fini, plus jamais je vais. Tu peux y faire confiance. OK? Sauf si c'est un scénario qu'elle a écrit. Mais quand ça monte naturellement, la décision fait qu'il y a quelque chose qui va se passer. OK? Donc, un, faut être décidé. OK? Deux, faut passer à l'action. Et quand je dis passer à l'action, c'est passer à l'action massivement. Donc, une action donnera pas grand-chose, mais beaucoup d'actions vont tout le temps générer quelque chose d'extraordinaire. OK? Il y a des actions qui vont vraiment porter fruit. Il y a des actions qui vont être perdues. Il y a des actions qui vont donner so-so. Fait que le but dans beaucoup d'actions, ça va être après d'isoler les bonnes actions, c'est-à-dire celles qui fonctionnent pour vous et en fonction de ça, de les répéter. Et les autres, ceux qui suivent les coachings, souvent le savent, une action qui fonctionne pas, tu ne la fais plus. En réalité, si tu ne la fais plus comme ça, OK? Tu réajustes, tu recules, tu analyses, tu corriges et tu le fais d'une autre façon pour avoir des meilleurs résultats. Et c'est comme ça qui fait qu'on s'améliore tout le temps. Et trois, tu persévères tout le temps. Donc, persévérance, persévérance, persévérance. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps entre le moment où tu poses vraiment une action et où tu vas récolter. Il y a vraiment un délai, il y a vraiment un temps. Et des fois, il est court et des fois, il est long. Fait que peu importe le processus, des fois, le fait d'avoir beaucoup d'actions, c'est ça qui crée un momentum. À un moment donné, whoop,
Après un certain temps, tu vas commencer à récolter, parce que tu continues à faire des actions. Il y a les actions courtes qui vont donner un résultat immédiat, mais les actions qui ont demandé un peu plus de temps, et ça, c'est pas toi qui le décides, tu vas commencer à les récolter aussi, mais là, tu vas te demander d'où ça vient. Et c'est souvent ça qu'on dit dans la progression, c'est que vous savez pas, quand ça commence à rentrer, ça rentre tellement vite que vous ne savez pas d'où ça vient. En réalité, ça vient des actions que vous avez posées un peu en arrière. Donc, massive action. Et de la façon que j'amène des processus comme ça, c'est qu'un, décision, en réalité, je vais poser la question autrement. Qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est la même chose, OK? Tu es décidé quand tu sais ce que tu veux vraiment. Deux, passer à l'action. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour l'avoir? C'est ça en réalité. Fait que je le résume en un mot, mais le processus, c'est tout le temps par des questions. Et qu'est-ce que tu es prêt à faire? Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Qu'est-ce que tu es prêt à mettre de côté pour faire avancer ton projet? OK? Et si tu n'es pas capable de faire ça, un, c'est parce que tu n'es pas vraiment décidé. Tu as priorisé autre chose. Et deuxièmement, c'est sûr que tu ne vas pas l'accomplir. OK? Deux, c'est qu'est-ce que tu es prêt à faire pour y arriver? Puis trois, la persévérance, c'est quand tu veux ton résultat, OK? Es-tu capable de faire une échelle d'évaluation pour être capable de voir ta progression? Parce qu'on l'a déjà vu, tout ce qui se mesure s'améliore, OK? Donc, le faire comme ça, et quand? Et le quand, souvent, il permet de rendre plus réaliste les objectifs. Parce que c'est sûr qu'on veut tout que ce soit demain. Hein? Tout le monde, on aimerait ça que ce soit demain. Et ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Okay? Il y a un temps de germination pour chaque semence, il y a un temps différent de germination. Et plus le temps est long, plus le résultat est grand. Okay? Si j'y vais au niveau de la nature, si je prends les fruits qui prennent le moins de temps à mûrir, si on veut, récolter plus rapide. Ils ont une valeur nutritive beaucoup plus basse que le fruit ou le légume qui demande plus de maturation. Okay? Un brocoli va prendre beaucoup plus de temps avant d'arriver à maturité pour pouvoir le manger versus un radis ou une fève qui va pousser plus vite. Mais la valeur nutritive, elle est proportionnelle au temps aussi. Okay? Une date va prendre beaucoup de temps à maturer, mais sa valeur nutritive, elle est vraiment très riche. Okay? Donc, c'est vrai dans tous les domaines qu'il y a des processus que je sais qui vont demander du temps. Okay? Mais je sais que la récolte va être encore plus riche. Fait que des fois, le fait de vouloir aller trop vite, comme tout est un cycle, on dit tout le temps, ce qui monte vite, descend vite. Okay? Mais ce qui se fait graduellement comme ça, donc si mon truc, c'est là, puis je suis prêt à, je veux pas dire que je veux pas que ça je veux pas le ralentir non plus, c'est-à-dire que si le temps de germination d'un radis, s'il est de d'un mois, supposons, je ne vais pas essayer d'attendre 2 mois avant de le récolter, il ne va pas donner plus, donc c'est en fonction des actions. Mais c'est juste pour comprendre des fois qu'il y a des trucs qui n'arrivent pas aussi vite qu'on veut, mais quand ils arrivent, ils sont tellement permanents, sont tellement solides qu'il y a un bon bénéfice. Donc, persévérance, OK? Persévérance quand tu veux que ce soit là. Et là, ça permet de dédramatiser des fois, parce que les gens, ils commencent une entreprise des fois, puis ils disaient, bon, mais la première année, j'aimerais ça gagner 250 000 la première année. Tu gagnes combien en ce moment, là? Oh, j'ai un salaire à peu près de 40 000 par année. Ça fait combien d'années que tu travailles? Donc, en un an, tu voudrais aller chercher 257, puis ça fait 15 ans que tu travailles ici, puis tu arrives juste à 40 000. Hey, on va être proportionnel un petit peu, là, on va y aller graduel. Je dis pas que tu n'y arriveras pas, mais regarde, on va y aller. On va y aller avec des trucs facilement mesurables et qui ont une certaine une réalité dedans. OK? Fait que ça, c'est un peu ça aussi que je vous partage aujourd'hui, ces 3 points-là, qui sont bons pour soi, c'est résumé, c'est court, mais c'est un peu ça. Et deuxièmement, c'est que hier, j'étais supposé vous faire un live, et c'est pour ça que je le sépare un petit peu en deux. Hier, j'étais supposé vous faire un live pour sur mes 3 lives sur la sexualité. Et hier, premièrement, je partais de Laval, je devais venir ici. Et écoute, je suis sûr qu'à l'heure où je suis parti, il aurait fallu que je parte 2 heures d'avance tellement pour arriver. J'étais sur la route. Et hier, c'était pas le temps non plus parce qu'il y avait d'autres choses de prévues après. Hein? Donc, c'était la Saint-Valentin hier. Donc, c'était pas le temps non plus de dire, bon, mais regarde, regarde, je l'ai remis aujourd'hui. Donc, je vais vous faire un petit résumé
de ce que je voulais vous parler en même temps hier sur la sexualité. Sur la sexualité, c'est sur les complexes. OK? Je vous ai donné, je vous donnais les trois problématiques les plus souvent rencontrées qui empêchent de vivre une sexualité épanouie. OK? Et la sexualité épanouie, c'est pas juste faire l'amour, c'est pas ça pour moi. C'est le processus qui fait qu'il y a une danse qui s'installe entre deux individus pour permettre une fusion. Et c'est ça qui est extraordinaire. Okay? C'est arriver à ce truc-là. Et le premier qu'on a parlé lundi, c'est vraiment le manque de confiance. Mais faites-vous-en pas si vous ne les avez pas vus. J'ai mis le lien. Demain, je fais un webinaire avec un invité justement là-dessus qui, lui, a déjà monté un truc là-dessus. Je suis un des invités sur la plateforme qui a monté, justement sur l'aspect confiance. Parce que c'est l'aspect qui remonte le plus souvent. Je ne suis pas un spécialiste de la sexualité, je ne suis pas sexologue, mais j'en ai rencontré beaucoup en cabinet, justement, des gens qui m'arrivaient avec deux complexes. Et ce qui sortait souvent, c'était justement le manque de confiance. Je n'ai pas confiance en moi, soit pour l'approche, soit à plusieurs étapes, là. Donc, on a solutionné ça. Donc, on va vous donner beaucoup plus de trucs. Samedi, donc demain, samedi le 16, à 2 h, c'est gratuit. Vous allez pouvoir poser des questions même, puis on va répondre plus spécifiquement à ces trucs-là, mais le manque de confiance est majeur, OK? Et ça bousille, ça empêche justement cette rencontre-là qui devient plus un acte physique. OK? Quand le manque de confiance n'est pas là, l'abandon est très dur aussi parce qu'il y a une lâcher prise dans la sexualité qui est nécessaire à un moment donné. OK? Il y a un rythme à suivre. C'est là qu'on commence à, que moi, je l'appelle ça comme ça, danser. On commence à danser parce qu'on veut whoop. Et quand on fait un, quand on danse, c'est là qu'arrive quelque chose d'extraordinaire. OK? Mais le manque de confiance ne permet pas ça. Fait en sorte que ça n'arrive pas. Ça, je n'ai parlé lundi. OK? Mardi, j'ai parlé plus l'aspect communication. Et la communication pour comprendre, pour qu'il y ait vraiment un échange, pour qu'il n'y ait pas de domination non plus ou soumission ou encore là, des fois, comme on dit, c'est mon devoir conjugal, puis c'est plus. Il y a une différence entre faire l'amour puis vivre ce moment-là, OK? Et c'est ça qu'on veut vous aider à retrouver. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de c'est faut le vivre, OK? Et ça, on va vous le démontrer. Ça, c'était mardi. Jeudi, je devais vous parler, ça va être plus demain qu'on va vraiment le faire. Ben, en réalité, dans mon 15 minutes, je n'ai pas le temps non plus d'élaborer ce qu'on donne à 1 h 30. Par sujet. On ne va pas faire tout ça demain, mais demain, on va les couvrir assez pour être capable que vous ayez des outils concrets à appliquer. L'aspect complexe. L'aspect complexe qui est relié un peu avec le manque de confiance, c'est-à-dire si le complexe sur son apparence, sur ses capacités, sur peu importe, parce qu'au niveau sexuel, c'est pas juste sur l'apparence, l'aspect complexe, parce que chez l'homme, il y a un aspect performance, puis des fois, il se met justement par manque de confiance un peu, puis il se juge par rapport à justement un aspect. Tu as l'aspect physique qui peut jouer, puis tu as l'aspect confiance, OK? Au niveau du complexe. Le complexe est complexe. Donc, il y a différents types de complexes. Et ce qu'on. Là, je vais essayer de vous donner un truc vite en même temps, mais sur le lot qui marche général. Ce qu'on voit le plus souvent, c'est le complexe sur l'apparence, sur le physique. Les gens, à cause de l'idéologie qui est véhiculée à l'extérieur, les gens recherchent, se comparent sur une perfection qui n'existe même pas. OK? C'est tellement absurde quelque part que quand on voit à la télévision, quand on voit sur les magazines, tout est tellement truqué, tout est tellement Photoshop, ça marche pas à peu près. OK? Que la plupart des gens qui font la première page d'un magazine ne se reconnaissent pas. OK? Tellement c'est évident. C'est très rare qu'on fait pas ça. Puis là, les gens, c'est à ça qu'ils se comparent. Je m'excuse, là, ça, faut enlever ça de là, on va pas se comparer à ça. Et l'erreur, c'est l'erreur qu'on fait
l'homme va jouer sur la performance, la fille va jouer plus, c'est relatif, sur plaire. Okay? Est-ce que je dégage, est-ce que je suis, mon apparence, il faut que ça plaise à l'autre, selon quelle référence? Il est là le problème, ce sont les références de l'extérieur, ça ne marchera jamais. C'est comme, puis là, je vois le temps passer, puis je fais mon 15 minutes, je me redonne un 2 minutes de plus pour le finir. OK? Quand vous êtes ado, puis que vous avez un bouton ici, là, OK? C'est comme si votre vie vient de tomber. C'est comme si ça y est, c'est gros comme ça, ils vont voir que ça. Tout le reste qui est bien, qui est bon en moi ne compte plus, il n'y a que le bouton. Ma vie est ruinée. J'exagère, là, mais un ado, c'est un peu comme ça aussi. OK? C'est un peu ça, l'aspect complexe pour. Je vous donne juste un truc, là, mais un des meilleurs trucs, c'est focaliser donc sur ce que vous aimez chez vous. OK? Il y a tout le temps un aspect que j'aime chez moi. OK? Et si je focalise là-dessus, en réalité, c'est ce que je vais dégager. Parce que la sexualité, les yeux fermés, c'est aussi puissant que les yeux ouverts. Ce n'est pas une question de plaire esthétiquement, c'est une question de rencontre. C'est une question... Quand tu es en amour avec quelqu'un, tu ne le sais pas pourquoi, parce que tu peux être en amour avec la personne avant même de la connaître. C'est hormonal, c'est énergétique. Il y a quelque chose qui m'attire vers elle et c'est pas ce qu'elle a l'air. Et si c'est seulement par rapport à l'apparence, ça durera pas, parce que ce que t'aimes, c'est pas la personne, c'est son apparence. Puis l'apparence, elle gardera pas toute sa vie. Donc, ça, on sait que c'est moins fort, OK? Donc, c'est pas là-dessus qu'il faut focaliser. Mais on peut le vivre assez fort pour nous bloquer. Fait que, comme je vous dis, le premier truc, puis là je parle encore plus vite parce que je vois le temps, puis je vais me conditionner à 15 minutes, c'est de mettre l'emphase sur une partie que vous aimez de vous, n'importe laquelle, OK? Votre apparence, votre sourire, vos yeux, je ne sais pas, OK? Et juste parce que tu es là-dessus, ce que tu dégages, OK, va enrayer tout ça, OK? Si vous en savez plus, si vous voulez avoir des bons trucs, OK, puis plus qu'un, puis avoir un aspect réponse, inscrivez-vous au webinaire. OK? Même si vous ne pouvez pas le voir à l'heure juste, OK? Parce que ça va être à 14h, 14h heure du Québec, ça va être à 2h ici, donc 6, 8h, 20h en Europe. Si vous ne pouvez pas le voir dans l'immédiat, le fait d'être inscrit, vous allez pouvoir le revoir. Si vous n'êtes pas inscrit, vous ne verrez plus, OK? Il ne sera pas accessible. Fait qu'au moins, inscrivez-vous sur le webinaire pour être présent. Puis il va y avoir des petites surprises, comme je vous dis, à ce moment-là, parce que je vais avoir un invité, puis je vais tirer les verres du nez. On va tirer des réponses, OK? On va tirer des trucs parce qu'il a développé quelque chose. Puis plus on est nombreux, plus c'est riche. Parce que les questions qu'on se pose, des fois, on n'ose pas le poser, mais des fois, il y en a un autre qui la pose. Puis il pense qu'il est le seul. Oh, non, on ne se pose pas mal toutes les mêmes questions. Fait que c'est un rendez-vous demain si vous êtes intéressé à vivre quelque chose d'épanouissant au niveau sexualité, si vous voulez vous retrouver à ce niveau-là. Et comme on dit souvent, si tu aimes, l'amour suit. Il peut y avoir de relations sexuelles sans amour, mais il ne peut pas avoir d'amour sans relations sexuelles épanouies. Fait que là-dessus, je vous remercie d'être présent. Et ceux qui ont le goût d'aller un peu plus loin puis de découvrir cet aspect-là, le lien, je l'ai mis sur le titre ici pour vous inscrire demain. Et demain, c'est un webinaire. C'est minimum une heure. C'est 45 minutes. J'essaie de faire le 45 minutes. C'est pour ça que je dis une heure. Et là-dessus, il y a une partie question. Fait que merci de m'avoir écouté. Et à demain pour ceux qui peuvent. À demain. Sinon, à lundi pour un autre live. Merci tout le monde.